Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. EDF à la une de l'actualité entreprise ce lundi, selon Le Parisien, une renationalisation, au moins partielle, des activités nucléaires de l'électricien pourrait être à l'étude. La nouvelle organisation du groupe devrait être étudiée le 28 mai lors d'une réunion du comité de stratégie. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 13,03€ et 13,06€. Publicis met la main sur Epsilon, spécialiste du marketing ciblé et filiale du groupe américain Alliance Data System, montant de l'opération 4,4 milliards de dollars. Parallèlement, Publicis et Alliance Data ont décidé de nouer un partenariat stratégique. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 50,03€ et 51,56€. La stratégie du jour, STMicroelectronics, la progression enregistrée le 5 avril a permis au titre de clôturer au-dessus de la résistance des 15,04€ et de marquer de nouveau plus haut depuis octobre dernier. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement haussier tandis que le RSI est bien orienté et ne montre aucun signe de retournement. Au-dessus de 15,13€, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction des cibles situées à 16,07€ puis 17,83€ en extension. Positionnez-vous à l'achat sur le VAR en call 33,59T émis par Unicredit. Le prix d'exercice 17€ et de maturité au 18 septembre 2019. On termine avec notre coup de cœur sur le CAC 40, lundi phare de la place de Paris, se maintient dans une dynamique haussière après être venu se poser à proximité du trou de cotation laissé ouvert à 5 423 points. L'indicateur RSI fait face à sa zone de surachat à 70%. Les cours doivent se maintenir au-dessus de la zone des 5 423 points pour conserver un bien positif. Les prochaines cibles se situent à 5 595 et 5 658 points, soit les points hauts de 2018. Portez-vous à l'achat sur le VAR en call G792T, émis par Unicredit, de prix d'exercice 5 610 points et de maturité au 21 juin 2019. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Bonne journée et à demain.